みんなこんにちは。今日お話しする事件は八王子スーパーの殺人。すいません。はい、もしもし。うん。あ、どうしたの？あ、何？NordVPN？嘘！La vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je te matais. Un VPN est un réseau privé virtuel, comme un tunnel pour vous tout seul entre vos appareils, ordinateurs, smartphones, tablettes et votre réseau internet. NordVPN est mon compagnon de voyage et mon assistant précieux lorsque je travaille. Exemple. Je suis en France pour la saison des cèpes et j'ai besoin de consulter une archive judiciaire sur le site de Kokiretsu Kobunchokan et de chercher une vidéo d'actualité sur Yahoo Japan. Mais diantre, je suis géolocalisé comme un rat. Grâce à NordVPN, pas de problème, en un clic et je déplace mon adresse IP au Japon et hop, à moi la connaissance et à vous de belles vidéos. Tout cela grâce à 5500 serveurs dans 59 pays, incroyable. Autre exemple, je suis à Tokyo à la maison et hop, je veux me faire un petit épisode de Louis la Brocante. Mais non, catastrophe, je suis géolocalisé. NordVPN c'est aussi une protection contre les sites malveillants et les virus, les trackers et les publicités pénibles et intrusives qui vous donnent envie de... Enfin, qui vous gâchent la vie quoi. Lorsque je suis en voyage, pas de problème, NordVPN sécurise ma connexion Wi-Fi publique des gares et aéroports et me protège des affreux qui chercheraient à me voler mes données, le tout sans archiver, collecter ou partager mes données parce que chez NordVPN on tient au respect de la vie privée de ses utilisateurs. NordVPN fonctionne sur macOS, Windows, Linux, Android et iOS et vous permet de sécuriser jusqu'à 6 appareils les amis. Le tout sans limite de bande passante et ça, c'est beau. Vous l'aurez compris, NordVPN est le plus rapide et le plus complet du marché et celui qui partage ma vie, alors n'attendez plus et bénéficiez d'une offre exceptionnelle grâce au code promo Satsujin ou en cliquant sur le lien en description et profitez de 4 mois gratuits le tout avec la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Allez, en piste pour la terrible histoire du triple meurtre de Hachioji. On ne connaît toujours pas le coupable, mais m'est avis que c'est un petit gars en colère qui n'avait pas NordVPN. Vidéo. Il y a des affaires qui ne vous laissent jamais tranquille. C'est ce que l'officier Ishiguro déclarait à la journaliste de ANN qui l'interrogeait sur un casse-tête qui dure depuis maintenant 27 ans, les meurtres du supermarché Nanpei de Hachioji. Et comme je le comprends, cette affaire, l'une des plus mystérieuses de l'histoire criminelle de ces 50 dernières années, j'aurais dû en parler dans mon premier livre sur les meurtres au Japon en 2020, puis dans le deuxième en 2021. Le chapitre ne pouvait jamais se terminer tant il restait des questions en suspens et surtout de nouveaux éléments qui arrivaient au compte-gouttes. Malheureusement, ce qui aurait pu apparaître comme une preuve tardive mais sûre dans ce cold case de 1995 n'était qu'un canular journalistique de mauvais goût. Puis vint l'espoir de l'arme du crime que l'on retrouve, toujours en circulation, mais qui donne sur une impasse et l'espoir de voir cette affaire résolue qui s'envole à nouveau. Alors, croyant de plus en plus à l'impossibilité de connaître un jour la vérité, je boucle ce chapitre et vous le livre aujourd'hui tel qu'il est en cette fin d'année 2022, à savoir un massacre d'innocents qui ne connaîtra jamais aucune résolution. Pourtant, des éléments de preuve matérielle, le dossier en est plein comme dans beaucoup d'affaires non résolues. Je vous ai déjà livré mon désarroi face à des histoires similaires, les meurtres du Kabukicho, celui de la famille Miyazawa, l'empoisonneur de boissons ou l'étrangleur du mercredi, et ce cas absolument effrayant ne fait pas exception. Alors laissez-moi vous narrer l'affaire des meurtres du supermarché Nanpei de Hachioji, les éléments dont la police dispose, les enquêtes des journalistes à travers le temps, mais aussi le ressenti de certains riverains et proches de la famille des victimes, dont une n'aurait peut-être pas été visée par hasard. Hachioji est l'une des nombreuses villes de la grande banlieue de Tokyo, un fondu au vert entre la mégapole et la campagne peuplée de travailleurs et de familles de la classe moyenne inférieure rejetées par les centres-villes. Sans histoire glorieuse ni attraction notable, elle voit la vie de ses habitants se fondre dans la grisaille des grands ensembles et les installations délabrées des tentatives passées de rendre la vie des gens meilleure. C'est dans ce purgatoire que la famille Maeda avait choisi de s'enraciner, le père chauffeur-livreur pour une marque de produits laitiers, la mère assistante maternelle à temps partiel et leurs deux filles, Kotomi, 12 ans, et sa grande sœur Hiromi, 16 ans. Les Maeda étaient ce que l'on peut appeler une famille ordinaire, travailleurs discrets et invisibles aux yeux du reste du monde, portés par les devoirs des uns et des autres. Hiromi, comme beaucoup de filles dans sa situation, avait aidé sa mère à élever sa petite sœur pendant que son père, parti au travail à 4 h du matin et jamais rentré avant la nuit, s'épuisait à la tâche pour maintenir sa famille dans une pauvreté acceptable. Locataire d'un pavillon bâti dans les années 50, la vie suivait son cours et les deux filles se rêvaient un avenir meilleur que celui de leurs parents qu'ils admiraient pourtant. Le jour de ses 16 ans, Hiromi avait, comme beaucoup d'adolescents dans sa situation, cherché un travail à temps partiel pour supporter la charge financière familiale, bien sûr, mais aussi se payer les quelques petits extras auxquels tout enfant de son âge devrait avoir droit. Elle n'eut pas loin à chercher. Ses parents étaient de bons clients du supermarché discount Nanpei du quartier d'Owada, à 2 pas de chez eux, et ils n'eurent pas de mal à décrocher un petit job pour leur fille, ravie de rentrer enfin dans la vie active. Excellente élève au lycée public de Hachioji, elle ambitionnait de faire des études supérieures, mais savait bien que ses parents ne pourraient jamais payer pour 3 ou 5 ans dans une université, même de seconde zone. Alors, pour nourrir son rêve, elle économisait une grande partie de sa maigre paye et se portait volontaire pour les heures supplémentaires, surtout de nuit, celles qui payaient double. En caisse ou en rayon, Hiromi appréciait son travail, c'était un peu comme jouer à la marchande, mais en étant payée. En plus, elle s'était faite une amie qui travaillait depuis 1 an au supermarché et lui avait appris les ficelles du métier. Yabuki Megumi, 17 ans, était elle aussi une fille de Hachioji. Sa famille, pas plus fortunée que les Maeda, était arrivée dans cette ville quelques années auparavant, attirée par l'embauche à l'usine et les petits prix des locations. Le père et la mère étaient ouvriers à l'usine Tokyo-Raba et fabriquaient des joints en caoutchouc 45 heures par semaine pour un salaire qui leur permettait de louer une petite maison avec un bout de jardin et d'élever dignement leur fils de 14 ans et leur fille de 17. Comme pour Hiromi, Megumi avait dû se trouver un petit travail pour financer des loisirs que ses parents ne pouvaient pas lui offrir, et un voisin averti avait frappé à la porte du supermarché Nanpei. Plutôt grande, mince, sportive, les cheveux courts et un sourire toujours collé aux lèvres, elle était de tous les clubs de son lycée et avait une certaine appétence pour le volley-ball dans lequel elle excellait. Musicienne, elle faisait aussi partie de l'orchestre de l'école, dans lequel elle soufflait régulièrement dans un hautbois, bien que la pop japonaise soit la musique qui la faisait vraiment vibrer. Elle contrastait avec sa collègue de travail et amie Hiromi qui, elle, était d'un naturel plutôt discret et effacé. Mais ce sens du devoir familial et sûrement du manque matériel au quotidien les avait rapprochés et fait d'elle de bonnes amies. 6 jours par semaine, elle travaillait sous la houlette de la responsable de magasin Inagaki Noriko, 47 ans, une femme assez particulière qui fascinait autant qu'elle effrayait ses jeunes employés. Portée sur la bouteille et les hommes mariés, Inagaki était assez évasive sur son passé, mais elle avait confié à certains avoir travaillé comme hôtesse dans quelques clubs du Kabukicho à Tokyo. Avant de trouver ce travail au supermarché, elle avait géré un snack à Saitama, ces petits bars à filles dans lesquels les ouvriers fatigués viennent chercher du réconfort et flamber leur maigre paye. Mais sa séparation brutale avec son compagnon l'avait poussée vers l'ouest, vers Hachioji, où résidait l'un de ses courtisans. Impulsive et sanguine, Inagaki avait la réputation, visiblement justifiée, d'être souvent violente avec les hommes qui lui tenaient tête et sa voix tonitruante résonnait souvent dans les restaurants et bars de la ville après quelques verres, couvrant celui qui l'accompagnait d'insultes et de menaces. Régulièrement, elle entretenait des relations tarifées avec des hommes du voisinage, souvent mariés, ce qui lui avait causé un certain nombre de problèmes avec les épouses bafouées et les autorités morales locales, dont les commères qui faisaient et défaisaient des réputations. Début 1995, elle avait reçu une série de lettres anonymes la menaçant du pire si elle ne changeait pas d'attitude, puis un petit paquet contenant une lame de cutter et une missive faite de lettres découpées dans des journaux qui disaient en substance « Si tu continues comme ça, tu vas mourir », suivi d'un nom d'oiseau que la décence m'interdit de vous rapporter ici. Inagaki était appréciée par une grande partie de la population locale pour sa bonne humeur, son humour de salle de garde et sa participation à la vie locale, toujours volontaire pour les fêtes de quartier et les opérations de nettoyage. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les dames patronesses et les épouses avaient une certaine réticence vis-à-vis d'elle. Quoi qu'il en soit, elle menait sa barque et depuis qu'elle avait été promue aux responsabilités dans le supermarché Nanpei à Owada, tout se passait à peu près bien. Beaucoup se demandaient pourtant comment une telle personne, qui avait eu à l'époque où elle dirigeait son établissement de nuit des relations professionnelles et intimes avec des membres de la petite mafia locale, pouvait être en charge d'un commerce dont elle assurait la sécurité, le recrutement et la gestion de fonds. La réponse était assez simple. Le patron de l'antenne locale de cette grande franchise était un homme d'un certain âge qui avait acheté cette enseigne comme un complément de revenu, mais n'y mettait presque jamais les pieds. Amoureux de la pétillante Noriko, il lui avait confié les rênes de son échoppe et ne lui demandait que deux choses, faire tourner la boutique et lui rendre visite de temps en temps. Effectivement, le supermarché tournait plutôt bien si l'on tient compte des prix cassés qu'il pratiquait dans un quartier plutôt modeste, et les stocks étaient bien gérés par un responsable des achats sérieux et compétent nommé par la maison mère. Les vendeuses et caissières étaient agréables, souriantes et gentilles, et les dames du quartier appréciaient Megumi et Hiromi. Pour la sécurité, partie entièrement dévolue à Inagaki, c'était autre chose. Le matin, c'est elle qui ouvrait le rideau de fer et la porte blindée de la réserve ainsi que celle des bureaux. Puis les employés du matin arrivaient, tous allaient se changer dans la salle du personnel, écoutaient le briefing de la gérante puis partaient vaquer à leurs occupations. Inagaki, elle, se partageait entre la supervision de sa boutique et la gestion de sa vie personnelle et oubliait régulièrement de refermer la porte de la réserve, celle du quai de livraison et celle des bureaux, partant même des heures entières pour gérer un conflit avec son amoureux du moment. Alors tout naturellement, un premier vol eut lieu, puis un autre et encore un autre, et mois après mois, le Nanpei de Owada, Hachioji, avait acquis la réputation d'un endroit à la sécurité plus que légère, et les petits voleurs de l'arrondissement venaient régulièrement s'essayer à la rapine. Certains attendaient la relève entre l'équipe de jour et celle de nuit pour tenter leur chance par la porte de derrière et voler des produits parmi les plus chers, voire même le fond de caisse. D'autres profitaient du fait que la grande porte du quai de chargement soit presque toujours ouverte pour venir chipper des caisses d'alcool et des cartons de cigarettes à la nuit tombée. Mais ce qui frappait toute personne avec un minimum de sens de la sécurité, c'était la façon dont l'argent était transféré des caisses au bureau afin d'y être stocké dans le coffre-fort en attendant la relève des fonds par l'entreprise de convoyage. Le midi et le soir, à 21 h, Inagaki relevait les caisses et transférait les espèces dans une sacoche noire frappée aux couleurs de leur banque, puis sortait et empruntait les escaliers de service à l'extérieur pour monter dans les bureaux et placer la recette dans le coffre. Deux fois par jour donc, des sommes conséquentes étaient manipulées au vu et au su de tous ceux qui passaient par là. Les voisins pouvaient la voir, les passants et les clients aussi, et pour ne rien arranger, la sémillante gérante avait pour habitude de faire une pause cigarette entre le départ et l'arrivée, discutant parfois avec des clients ou des connaissances, une clope dans une main et 1 million de yens dans l'autre. Mais jusqu'alors, malgré tous ces dysfonctionnements, aucun incident majeur n'avait eu lieu et les braqueurs se tenaient loin de Owada, comme si Inagaki et sa gouaille les tenaient à distance. Enfin loin, pas si loin que ça. En 1994, un gang de braqueurs chinois commença à faire parler de lui dans les régions avoisinantes et commit plusieurs vols à main armée dans le quartier voisin de Tama. Le mode opératoire était toujours le même, 3 hommes armés de revolvers faisaient irruption dans les bureaux d'un supermarché ou d'un centre commercial, ils prenaient un employé en otage pour forcer le gérant à ouvrir le coffre, volaient les pièces d'identité des employés présents pour faire pression sur eux s'ils parlaient et filaient avec la caisse. À 3 reprises, ils avaient dû mettre un coup de crosse à des gérants récalcitrants et une fois, tirer une cartouche dans une bouteille pour prouver à un employé qui remettait en question l'authenticité de l'arme que ce n'était pas un pistolet à bouchon. Mais jusqu'à présent, aucun mort n'était à déplorer. Cependant, Inagaki n'était pas tranquille. Ce gang, elle ne le connaissait pas et les relations qu'elle gardait dans la pègre locale non plus. Alors elle demanda à son cher patron de changer le système de sécurité en y ajoutant des caméras mais aussi un coffre-fort moderne de ce que l'on ne peut ouvrir après l'heure de fermeture. Mais le rentier épingre, c'est là son moindre défaut et le déblocage de fonds ne fut pas si facile. Refusant de céder à ses avances, la vaillante gérante menaça de démissionner et ferma le supermarché pendant 2 jours, expliquant aux clients pourquoi elle faisait ça et battant même banderole devant le commerce. Le vieux Grigou finit par céder et fit installer un système de vidéoprotection ainsi qu'un coffre-fort tout neuf avec un code et un système de verrouillage nocturne. Inagaki l'ouvrait à midi avec une clé ou avec le code, y mettait la recette du matin et ne pouvait plus l'ouvrir jusqu'à 21 h. Le soir à la fermeture, elle y déposait la recette de l'après-midi et de la soirée et ne pouvait plus l'ouvrir jusqu'au matin lorsque le camion de transport de fonds passait. Par sécurité, pour être sûr que rien de fâcheux n'arrive, elle laissait la clé à l'intérieur du coffre et ne se servait que du clavier. Bien sûr, elle communiqua sur ce nouveau système de sécurité, installa des pancartes en ce sens un peu partout, et le gang des Chinois sembla les éviter pour de bon. Les mois passaient et les choses allaient bon train, les vols avaient cessé, le commerce marchait plutôt bien, et les équipes se relayaient dans une ambiance familiale que Inagaki savait entretenir. Le mois de juillet 1995 était là, et la saison des festivals d'été allait commencer. C'était une période faste pour le supermarché, mais aussi le moment préféré de tout enfant et adolescent japonais qui se respectent. Alors bien entendu, Hiromi et Megumi n'allaient pas être en reste et comptaient bien s'éclater au Bon Odori, le festival de danse du 30 juillet, se goinfrer de délicieuse nourriture et vêtus de leur plus beau yokata, aller voir si l'un des garçons du lycée serait d'accord pour faire quelques pas avec elle. Ce soir-là, Hiromi serait de repos et Megumi travaillerait, mais quoi qu'il en soit, elles iraient au festival ensemble et profiteraient de ces moments uniques qui font les plus beaux souvenirs. Inagaki, de son côté, fréquentait un homme de façon sérieuse depuis quelques semaines. Le quinquagénaire qui travaillait comme chauffeur et patron taxi et possédait une petite flotte de 5 voitures avait pris l'habitude de venir la chercher après le travail à 21 h et de lui faire découvrir les bons restaurants de la région qu'il connaissait bien du fait de son travail, loin des endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter autrefois. La relation semblait sérieuse et la cadra irascible semblait s'attendrir un peu au fur et à mesure des rendez-vous. Depuis quelque temps, elle était devenue responsable de nuit du magasin et déléguait les journées à un nouvel employé embauché par la direction, une manière pour elle de laisser la place, petit à petit, ses projets de mariage à nouveau en tête. Le soir du festival, il devait aller manger dans un petit restaurant de viande tenu par une amie à lui, puis aller faire un tour au Matsuri pour y écouter les musiques traditionnelles, voir les danseurs et boire quelques bières au clair de lune et sous le feu d'artifice. Le 30 juillet, le magasin ouvrit ses portes à 10 h du matin, comme tous les jours, et connut vite une affluence importante, comme souvent ces périodes estivales. Les gens venaient y acheter de quoi se rafraîchir, mais aussi des accessoires pour les réjouissances à venir. L'équipe de jour eut une journée plutôt difficile et fut assez contente de voir la relève arriver à 16 h 45. Ce soir-là, Inagaki Noriko et Yabuki Megumi finiraient la journée de travail ensemble. Un magasinier homme était toujours là mais devait finir son service à 18 h 30. Noriko arriva en voiture, véhiculée par son petit ami qui devait revenir la chercher à la fermeture. Megumi, elle, vint à vélo comme tous les jours, habitant à quelques centaines de mètres de son lieu de travail. La pointeuse l'enregistrera à 16 h 46. La gérante, elle, sera notée présente par la machine à 16h48. Les deux devaient prendre leur service à 17h et le quitter à 21h, relever les caisses, fermer boutique et vaquer à leurs occupations nocturnes après cela. Bien qu'en congé ce jour-là, Hiromi devait les rejoindre dans la soirée, les aider à fermer avant de partir pour les réjouissances estivales tant espérées. Noriko prit la caisse numéro 3 et Megumi la caisse numéro 2. En soirée, l'affluence était bien moindre et deux caisses suffisaient largement. Les hôtesses pouvaient ainsi régulièrement aller travailler en rayon pour réapprovisionner ou renseigner un client. Vers 17h30, les festivités extérieures commençaient à se mettre en branle et les clients se firent rares. À leur poste de travail, les deux employés remarquèrent un homme qui passait et repassait devant la vitrine, regardant à l'intérieur à travers la vitre épaisse de la devanture. Plutôt petit, chauve, la cinquantaine, vêtu d'un pantalon gris et d'une chemise blanche aux manches roulées sur les avant-bras, il passa une dizaine de minutes devant le supermarché, regardant les rares clients rentrer et sortir, et observant les caissières tout en fumant des cigarettes à la chaîne. Une cliente fidèle qui venait faire ses courses pour le repas du soir leur fit elle aussi remarquer qu'un drôle de type, pas du quartier, faisait les 100 pas devant. À 18h30, le magasinier termina ses rangements et pointa, saluant ses collègues et allant rejoindre sa famille pour le festival. Les deux femmes se retrouvaient donc seules à bord pour la soirée. Très vite, le voisinage se remplit et la musique commença, le bruit des tambours taiko envahit l'espace et des familles en yukata déferlèrent dans les rues en direction du parc de Kitanohara où la scène et les stands de délicieuse nourriture étaient installés. Le Bon Odori avait bel et bien commencé à 30 mètres à peine du supermarché Nanpei. À 18h50, Hiromi arriva, à vélo elle aussi, jouant de la sonnette et faisant de grands coucous de la main à ses amis et collègues de travail. Elle entra dans le commerce, toujours vêtue de son uniforme scolaire, et monta consulter son emploi du temps pour la semaine à venir. Elle redescendit vers 19h et vint parler avec son ami, toujours à la caisse numéro 2, discutant de la soirée à venir et de leurs projets. Une cliente fidèle les entendit parler de tout cela et vit leur excitation, les gratifiant d'une recommandation à en profiter un maximum. Petit à petit, le supermarché se vida et à 19h59, soit une heure avant la fermeture, Noriko décida de fermer sa caisse et monta la recette de son poste de travail au bureau situé à l'étage, puis après l'avoir comptée et enregistrée dans le livre de compte, le plaça dans le coffre-fort avec le reste de la recette du jour. Elle but un café et fuma une cigarette dans le bureau, laissant ses jeunes employés seuls dans le magasin. De leur côté, elles discutaient toujours, s'interrompant de temps en temps pour les rares clients. Vers 20h30, une cliente habituée qui payait ses emplettes les informa qu'un homme étrange qu'elle ne connaissait pas traînait dans les rayons et posait des questions sur le quartier et ce qu'il y avait à faire hors période de festival. Megumi se pencha pour voir l'individu et lui demanda s'il cherchait quelque chose, mais l'homme ne répondit pas et partit sans demander son reste. À 20h45, Noriko était devant les escaliers et discutait avec des passants qu'elle connaissait lorsqu'elle remarqua une voiture conduite par un homme de type caucasien, très inhabituel dans ce quartier et à cette époque, qui roulait lentement sur le parking. Il observait les alentours et alla se garer sur la place la plus à l'angle. Noriko le fit remarquer à ses interlocuteurs, puis passa à autre chose. Quelques minutes plus tard, Megumi et Hiromi le virent à leur tour marchant devant la vitrine et regardant à l'intérieur. Un occidental, ce n'était pas si courant ici, et qu'est-ce qu'il voulait à traîner ici à cette heure-là ? Un peu effrayées, elles en firent la réflexion à une cliente qu'elles connaissaient, une habituée et membre du comité de quartier qui leur dit qu'elle allait en parler au planton du poste de police dès qu'elle partirait. À 20h51, Hiromi fit quelques courses pour sa mère avant que le magasin ne ferme, une brique de lait et une boîte de 6 œufs qu'elle paiera en espèces. Elle monta les mettre dans son sac et croisa Noriko qui préparait le livre de compte du jour en attendant la fermeture, puis toutes les deux descendirent ensemble pour commencer à fermer les différentes issues et volets roulants. En fermant le volet du quai de livraison, un couple d'habitués du magasin vint parler un moment avec les deux employés et devisèrent sur le festival, leur conseillant de se hâter pour ne pas louper les dernières danses et le feu d'artifice, bien sûr. Ce furent les dernières personnes à les voir vivantes. Toutes les trois fermèrent le rayon viande en abaissant le rideau étanche de la vitrine, puis ce fut au tour de la poissonnerie, pendant que la gérante de nuit baissait l'intensité des lumières pour signifier la fermeture proche. À 20h56, alors qu'elle avait ouvert le boîtier électrique pour baisser le rideau de fer de l'entrée du magasin, Megumi vit arriver un jeune couple qui la supplièrent de les laisser acheter quelque chose pour leur dîner. Elle accepta et le couple acheta une barquette de yakisoba, des fruits et un okonomiyaki, paya le tout en espèces et repartit. Ils reprirent leur voiture, une berline Nissan blanche garée juste en face de l'entrée et disparurent dans la nuit. Ce sont les derniers à avoir vu Megumi vivante. C'est elle qui fermera le rideau de fer et la porte de l'intérieur, puis montera par la porte du personnel jusqu'au bureau de l'étage pour y porter le contenu de sa caisse et y rejoindre son ami qui l'attendait avec une boisson fraîche. Noriko enregistra la recette du jour, plaça la somme dans le coffre qui contenait maintenant 5,26 millions de yens, environ 3 700 €, referma ce dernier grâce au code qui bloqua le système jusqu'au lendemain matin. Par sécurité, on ne savait jamais ce qui pouvait arriver, il y avait un moyen de déverrouiller ce système grâce à une clé spéciale que le patron, le responsable de jour et Noriko avaient placée d'un commun accord dans un tiroir du bureau. À 21h, le festival battait son plein et l'on pouvait entendre le bruit des tambours résonner à des kilomètres à la ronde. Ce festival de percussions tonitruantes était le signal pour annoncer le début des festivités et l'entrée des danseurs, ainsi que des plats spéciaux que tout le monde attendait et que l'on ne servait qu'à cette occasion. Pieuvres grillées, brochettes d'abat, les filles en avaient parlé toute la soirée et n'attendaient plus qu'une chose, aller s'en goinfrer le plus vite possible. À 21h06, la gérante ferma toutes les portes, vérifia les sécurités et éteignit complètement la lumière du magasin et de la façade. Dehors, un voisin qui avait l'habitude de garer sa voiture sur le parking de Nanpei et rentrait juste du travail, aperçut un homme qui regardait les escaliers de service du supermarché et observait autour de lui. Il lui fit des appels de phare pour signaler sa présence et lui faire comprendre qu'il l'avait repéré, et l'homme se cacha immédiatement le visage, rentra la tête dans ses épaules et prit la fuite. La minute d'après, les tambours s'étaient tus et l'on pouvait distinguer le bruit des gens qui parlaient, riaient et chantaient dans le parc de Kitanohara. Une fois tout rangé et leurs uniformes troqués contre leur tenue de soirée, Noriko appela son petit ami depuis le téléphone du bureau à 21h15, lui demandant de venir la chercher pour aller manger. Puis les trois filles descendirent, la gérante enclencha le système d'alarme, ferma la porte blindée d'accès au bureau, et toutes trois prirent le petit chemin qui les mènerait vers le côté route du supermarché, le côté de la vitrine et de l'entrée, là où la voiture viendrait chercher Noriko pour la conduire au restaurant, et là où les deux collègues et amis prendraient la rue qui les mènerait vers le tant attendu festival Bon Odori. Mais elles ne franchiront jamais les 20 mètres du chemin qui contourne le bâtiment. À 21h16, soit une minute après avoir quitté les lieux, le système de sécurité fut soudainement désactivé et la porte de service ouverte, entraînant un enregistrement dans la base de données de la compagnie de protection en charge des systèmes. Puis à 21h17, deux lycéennes qui rentraient du festival et passaient devant le supermarché entendirent 5 coups de feu qu'elles prirent pour des feux d'artifice tirés prématurément. Dans le voisinage, plusieurs riverains les entendirent également et en tireront les mêmes conclusions, sûrement quelques pétards ou des fusées tirées par erreur. Le petit ami de Noriko arriva vers 21h20 et se gara devant le supermarché. Il attendit un moment et regarda à droite et à gauche si son ami y était, puis ne voulant pas gêner la circulation, alla se garer sur le parking pour l'attendre, pensant qu'elle avait pris du retard dans son travail. De sa place de stationnement, il vit la lumière des bureaux allumée et une silhouette passer devant une fenêtre. Conforté dans son idée que sa chérie devait avoir du travail à terminer, il ouvrit sa fenêtre et fuma une cigarette en l'attendant, mais à 21h15, ne la voyant toujours pas arriver, il pensa que la personne qu'il avait vue dans le bureau devait être le directeur et que Noriko avait peut-être terminé plus tôt et était parti l'attendre au restaurant, alors il démarra et conduisit jusqu'à l'établissement situé à moins d'1 km. Ne l'y voyant pas, il demanda à la patronne des lieux, une amie à lui, si elle avait vu Noriko, ce à quoi elle répondit par la négative. Inquiet, il se servit du téléphone du restaurant pour appeler son domicile, mais elle ne répondit pas. Il pensa alors que c'était bien elle qu'il avait vue dans les bureaux de Nanpei et qu'elle devait vraiment être restée plus tard pour le travail, discutant peut-être avec les deux jeunes filles avec qui elle travaillait. Comme il savait qu'il y avait un vestiaire pour femmes et qu'il ne voulait pas prendre le risque d'agir de manière incorrecte, il demanda à son ami, propriétaire du restaurant de viande, de venir avec lui pour monter voir ce que Noriko faisait. Par amitié pour le couple, elle accepta et confia l'endroit à son cuisinier avant de monter en voiture avec l'homme. Ils arrivèrent devant le supermarché vers 22h et virent que les lumières étaient toujours allumées. En s'approchant de la porte de service, ils constatèrent que celle-ci était ouverte et entrèrent, puis prirent la direction des bureaux en demandant à haute voix s'il y avait quelqu'un. Sans aucune réponse, ils montèrent les marches et appelèrent encore, mais une fois de plus, personne ne répondit. La restauratrice tenta de jeter un coup d'œil par la fenêtre, mais du haut de ses 1,50 m, elle ne parvint pas à voir autre chose que le mur. Alors pensant qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal, l'homme décida d'entrer dans le bureau suivi de près par son ami. Ce qu'ils y trouvèrent leur glaça le sang. Noriko était allongée près du coffre-fort, la tête contre le mur et couverte de sang, les yeux exorbités comme frappés d'effroi. Hiromi et Megumi, elles, étaient allongées sur le sol dans une mare de sang, dos à dos, les mains attachées ensemble par du ruban adhésif et la bouche close par le même ruban brun. Leur visage était ensanglanté. Horrifiés par la scène, ils partirent en courant et foncèrent au poste de police le plus proche, celui de Hachioji, pour informer la police de leur terrible découverte. Il était 22h08. La patrouille de police locale arriva très vite pour sécuriser les lieux et geler la scène de crime après avoir appelé la brigade criminelle qui ne tarda pas à arriver avec la scientifique. Les premières constatations furent faites et le légiste confirma le décès des trois malheureuses ainsi que la cause de la mort. Les deux lycéennes avaient été abattues d'une balle de calibre 38 chacune et tirées à bout portant dans le front, et Noriko avait, elle, en plus de recevoir la même balle au même endroit, eu droit à un coup de grâce tiré à bout touchant au sommet du crâne. Les photos et relevés d'usage furent faits avant que les corps ne soient emballés dans des sacs gris et évacués vers le centre de médecine légale de la police métropolitaine de Tokyo pour y être autopsiés. La brigade scientifique fit son travail sur la scène de crime et trouva vite une 5e balle écrasée contre le mur face au coffre-fort et provenant du ricochet d'un tir en plein dans la serrure à code du coffre. La balistique le confirmera, il s'agissait du même calibre 38 qui avait servi à tuer les trois employés, un Squires Bingham fabriqué aux Philippines. La police releva des empreintes digitales et des traces de sueur sur le ruban adhésif, sueur dont on réussit à extraire un ADN. Mais après vérification, ni les empreintes ni les données génétiques ne figuraient dans les fichiers croisés de la police. Voyant des caméras un peu partout sur et autour de la scène de crime, les policiers eurent un solide espoir d'obtenir des informations concrètes sur le déroulé de la soirée, pensant tout de même que le ou les agresseurs devaient être masqués, mais ils constatèrent vite qu'ils ne pourraient rien en tirer. En effet, dans sa pingrerie, le propriétaire avait fait installer un système de caméras qui filmait les lieux de vente et de travail et les transmettait sur des moniteurs placés dans les bureaux, mais n'enregistrait rien. Sur la scène de crime, couverte de sang, les enquêteurs remarquèrent que le tueur n'avait jamais marché dedans malgré la violence du crime, la confusion probable au moment de ce dernier, pas plus qu'il n'avait laissé l'adhésif ou quelque autre objet sur place. L'on réussit tout de même à isoler une dizaine de traces de pas du meurtrier sur le sol de la pièce qui, elles aussi, furent envoyées à la scientifique pour analyse. Les résultats montrèrent des traces de mousse, d'argile et de fines poudres de fer issues d'un travail de soudure. La première intuition envoya les enquêteurs sur la trace d'un soudeur, mais très vite, l'idée que ces résidus avaient pu se retrouver sous les semelles par simple contact en traversant un lieu public, où il y avait eu des travaux, détourna la police de cette piste. Une petite quantité de caoutchouc retrouvée dans les traces de pas permit, elle, de déterminer la provenance des semelles fabriquées dans une usine de Hiroshima et utilisées pour 30 modèles de chaussures de sport de marque japonaise vendues dans les grands magasins Parco et Tiofu uniquement. Dans le cendrier posé sur le bureau de Noriko, on retrouva une dizaine de mégots fumés par cette dernière et dont l'ADN fut clairement identifié, mais aussi celui d'une marque différente portant des traces de rouge à lèvres. Un ADN en fut tiré, mais il s'avéra ne correspondre à aucune des employées féminines du supermarché, pas plus qu'à quelqu'un de fiché au répertoire national. Dernière constatation, et pas des moindres, rien n'avait été volé. Les sacs à main des 3 victimes étaient sur place avec de l'argent dans les portefeuilles et des cartes de crédit, des clés et, dans le cas de Noriko, une petite boîte avec une paire de boucles d'oreilles de valeur qu'elle comptait mettre pour son rendez-vous, mais tout était là, rien ne manquait. Sur le bureau, une boîte en fer contenant des espèces pour les fonds de caisse et les menus achats des employés n'avait pas été touchée, et la montre de marque oubliée par le propriétaire n'avait pas bougé non plus. Alors la suspicion première et bien légitime du braquage qui avait mal tourné commença à prendre du plomb dans l'aile et 2 théories furent étudiées par les enquêteurs criminels, celle de l'attaque à main armée et celle de l'exécution sommaire pour une raison encore indéterminée. Analysons l'hypothèse du braquage tout d'abord. Comme je vous l'ai dit, le supermarché avait été cambriolé à plusieurs reprises et il avait la réputation d'être un lieu mal sécurisé, ce qui aurait pu attirer des braqueurs un peu plus vindicatifs que les petits voleurs qui avaient sévi auparavant. Le transfert des fonds par l'escalier extérieur et l'équipe de nuit composée uniquement de personnel féminin était de notoriété publique et avait déjà fait l'objet de remontrances à la direction de la part de la police. Il est fort possible que tout ceci soit remonté aux oreilles du gang de braqueurs qui sévissait dans la région de Tama et attaquait les commerces équipés d'armes à feu. De ce fait, certains policiers et journalistes pensent que le gang des Chinois aurait fait des repérages et le soir du 30 juillet, attendu le personnel au pied de l'immeuble et là, les menaçants de leurs armes les auraient forcés à neutraliser l'alarme, puis à remonter dans le bureau pour leur faire ouvrir le coffre. Les 2 lycéennes auraient pu être attachées ensemble pour limiter leurs mouvements et bâillonnées pour éviter qu'elles ne donnent l'alarme et Noriko menacée d'une arme pour qu'elle ouvre le coffre. Bien sûr, ce dernier était protégé par un code qui empêchait son ouverture jusqu'au matin, mais elle savait pertinemment qu'il y avait une clé d'urgence qui lui aurait permis de l'ouvrir et sauver leur vie à toutes les 3. Alors, s'il s'agit bien d'un braquage, pourquoi avoir gardé le coffre fermé ? L'ordre de tir des cartouches n'est pas connu, mais dans l'hypothèse d'un vol à main armée, la police penche pour un coup de feu tiré dans le coffre en premier, qui aurait déclenché une panique chez les otages, se mettant à crier et forçant le voleur à les abattre. Mais dans ce cas, pourquoi le coup de grâce au sommet du crâne de Noriko ? De par sa nature explosive et directe, un officier de police pense qu'elle aurait pu se rebeller et insulter le cambrioleur qui, piqué au vif, lui aurait réservé un traitement spécial. De plus, plusieurs individus suspects se détachèrent au fur et à mesure des auditions des témoins, le quinquagénaire au pantalon gris et à la chemise blanche, l'homme qui posait des questions et l'occidental dans sa voiture, puis derrière la vitrine. Mais aucun ne fut retrouvé par la police et la question de leur présence sur place reste sans réponse. Il en est de même pour le jeune couple qui vint juste avant la fermeture pour faire des achats. Un avis de recherche avec portrait robot réalisé d'après les témoignages de passants a été émis, mais ils ne furent jamais identifiés. Analysons maintenant l'hypothèse de l'exécution sommaire par vengeance ou pour une autre raison. Tout d'abord, précisons que c'est celle qui est maintenant privilégiée par les enquêteurs toujours en charge de l'affaire. L'absence de vol de valeur et le laps de temps très court entre le coup de fil de Noriko à son petit ami et les 5 coups de feu, 2 minutes 30 en tout, laissent à penser que l'homme était venu pour tuer. Le relevé des traces de pas tout d'abord qui montre que l'homme est allé directement dans le bureau avec ses victimes, les a attachées, tuées et est reparti directement après que la voiture sur le parking s'en soit allée. Il n'a pas piétiné autour du coffre, n'a laissé d'empreinte sur aucun meuble, n'a rien fouillé et n'a pas marché dans le sang. De plus, les tirs furent nets et faits pour tuer dans le style des tueurs à gages ou des assassins des gangs yakuza. Noriko savait qu'elle pouvait ouvrir le coffre à tout moment et sauver leur vie à toutes les 3, surtout pour une somme d'argent qui aurait été couverte par les assurances du supermarché. Alors il est fort probable que le tueur ne lui ait même pas demandé et n'ait tiré ce coup de feu dans le coffre que pour donner le change et orienter la police sur une fausse piste. Alors qui aurait pu ainsi déchaîner la colère d'un homme au point d'en faire un assassin? Du côté de la franchise Nanpei, la police n'a rien trouvé. Cette marque n'a jamais fait l'objet de polémiques, de chantage ou d'attaques particulières, et son directeur était un homme ordinaire sans histoire et apprécié de tous. De plus, il était facile à trouver et vivait dans une maison sans sécurité, alors l'abattre aurait été un jeu d'enfant pour un professionnel même pas très doué. les deux lycéennes ensuite. Après une longue et minutieuse enquête auprès de leurs familles, proches et camarades de classe, absolument rien de suspect ou d'inhabituel n'en est ressorti et Hiromi comme Megumi étaient vraiment des jeunes filles ordinaires et sans histoire. Ce qui n'est pas le cas de Noriko. Comme nous l'avons vu, elle avait eu un passé plutôt agité et s'était attiré les foudres de pas mal d'épouses trompées au point de recevoir des menaces de mort. Ses accointances passées avec la petite pègre locale ne lui avaient pas attiré que des amitiés, et l'enquête révéla que certains avaient été arnaqués par la belle et nourrissaient un certain ressentiment envers elle. Même si elle avait changé de monde et fréquentait un homme honnête et en dehors de tout réseau mafieux, il est fort possible que son passé l'ait rattrapée. En 1992, elle avait eu une relation tarifée mais suivie avec un homme d'une soixantaine d'années, ancien porte-flingue d'un gang yakuza de Yokohama, et le couple fréquentait les bons restaurants de la région. Lors d'une dispute, Noriko s'était mise dans une colère noire et avait tailladé le bras de l'homme avec un couteau aztèque. Ce dernier, plutôt contrarié, lui avait promis publiquement de lui faire rendre gorge. C'est notamment cet incident qui avait fait dire aux riverains interrogés par la police que ce n'était probablement pas un braquage mais un règlement de compte. Mais ni l'auteur des lettres de menace, jamais identifié, ni l'homme, coupé au bras, connu des services de police mais décédé depuis, n'a pu être interrogé. Mais alors si c'est un meurtre par vengeance, pourquoi éliminer deux adolescentes innocentes? Sans doute parce qu'un professionnel ne laisse jamais de témoins. L'enquête piétina malgré l'acharnement de la brigade criminelle et un grand nombre de fonctionnaires mobilisés. De leur côté, les journalistes reprirent le relais et de véritables enquêtes journalistiques furent commandées par les grands éditeurs de presse. Ce fut l'hebdomadaire à scandale Weekly Bunshun qui, le 22 novembre 2001, sortit le premier reportage complet sur l'affaire et prétendit connaître le nom du coupable. D'après le magazine, ils auraient reçu une lettre de la part d'un gangster emprisonné pour vol à main armée qui aurait partagé sa cellule avec un homme d'une cinquantaine d'années qui se vantait d'avoir été impliqué dans la tuerie de Hachioji. L'homme en question avait été arrêté pour un braquage non loin de Tama et était un ancien membre des forces armées japonaises, donc parfaitement aguerri au maniement des armes. Le journal donna même son nom. Mais après enquête, il apparut que l'homme en question était en prison pour une autre affaire au moment des faits et avait donc un parfait alibi. Il fut blanchi et le magazine fut condamné à lui verser 800 000 yens de dommages et intérêts, soit environ 6 500 €. En 2003, c'est le journal Sankei, relayé par la chaîne Nippon Telebi, qui parla d'un homme d'une soixantaine d'années arrêté pour un braquage dans la préfecture d'Haïti qui avait conduit au meurtre d'un policier qui pourrait être le tueur de Hachioji. En effet, l'arme qu'il avait utilisée pour son attaque, une copie de Colt calibre 38 de chez le fabricant philippin Squires Bingham, était similaire à celui du tueur du supermarché et les stries du canon assez proches de celles retrouvées sur les balles. De plus, l'homme habitait à Hachioji au moment des faits. Il avait utilisé le même revolver en 1997, soit 2 ans après les meurtres, pour un braquage à la banque Kosei Shinkin d'Osaka et était même impliqué dans l'assassinat du chef de la police qui avait fait suite à la terrible affaire de la secte Aum Shinrikyo. Ce gangster chevronné était impliqué dans une dizaine de braquages et plusieurs meurtres, dont un de policiers est condamné à la prison à perpétuité. Mais il nia farouchement être impliqué dans l'affaire de la tuerie du supermarché et demanda une expertise balistique qui lui donna raison. S'il s'agissait du même modèle de revolver, les stries et marques des munitions étaient-elles assez différentes. En juillet 2010, soit 15 ans après les faits, ces derniers étaient sur le point d'être prescrits lorsque la loi sur les crimes de sang fut étudiée à la Diète, en partie motivée par cette affaire. Elle demandait l'imprescriptibilité des crimes pouvant aboutir à la peine capitale, ce qui était le cas dans cette affaire et fut votée in extremis permettant aux autorités de garder le dossier ouvert. Cette même année, une équipe de la brigade criminelle fut envoyée en Chine pour y rencontrer un ressortissant japonais condamné à mort pour trafic de stupéfiants et qui prétendait avoir des informations très importantes sur la tuerie de Hachioji. Il donna le nom d'un ancien complice à lui, un Chinois avec qui il avait fait 17 braquages et cambriolages dans les régions de Yokohama, Tama et Hachioji entre 1993 et 2000. Malheureusement, l'homme fut exécuté par Pékin et les enquêteurs ne purent en savoir plus. mais ils avaient le nom du complice en question et se lancèrent à ses trousses. Originaire de la province du Fujian, il avait été arrêté une première fois en 1994 pour absence de carte de séjour et renvoyé en Chine sans que la police ne se doute de ses activités criminelles. Revenu clandestinement au Japon, il aurait poursuivi ses activités illégales et monté le fameux gang des Chinois écumant le pays et braquant à tour de bras. L'individu était plus particulièrement chargé d'intimider les banquiers et personnels de boutique, trouver les armes pour les opérations et, s'il le fallait, tirer dans le tas. En 2002, muni d'un faux passeport japonais, il avait quitté le pays pour se rendre au Canada où il avait demandé le statut de réfugié qui lui fut accordé. Sur demande du procureur de Hachioji, le ministre des Affaires étrangères demanda l'extradition du suspect et une bataille juridique de 3 ans s'engagea. La raison invoquée était la possession d'un faux passeport national car, faute d'accord de police entre les deux pays, les enquêteurs japonais n'auraient jamais eu l'autorisation de l'interroger à Toronto. L'homme fut finalement extradé vers le Japon en novembre 2013 et condamné à 2 ans de prison pour falsification de documents officiels. Mais la comparaison entre son ADN et celui retrouvé sur le ruban adhésif s'avéra négative, de même que la comparaison des empreintes. En février 2015, les médias reparlèrent de l'affaire lorsque la police annonça avoir trouvé une correspondance partielle d'empreintes dans la base de 10 millions d'individus en leur possession. Malheureusement, la correspondance n'était que de 8 points, là où l'identification demande au moins 12. L'homme, décédé en 2005, vivait dans le même quartier de Hachioji au moment des faits et avait vécu un drame horrible. Quelques semaines avant la tuerie, son fils avait été victime d'un très grave accident de la route impliquant une personne qui avait travaillé au supermarché Nanpei. Il lui avait réclamé une forte somme à titre de dommages et intérêts, mais avait été débouté dans sa demande pour un vice de procédure. L'individu en question, qui roulait dans une berline Nissan blanche, avait été entendu en tant que témoin par la police à l'époque des meurtres, mais son dossier n'avait pas été consulté au moment de la première enquête. Pourtant, il était fiché et ses empreintes figuraient dans le fichier pour une erreur de jeunesse, le vol d'un bonsaï chez un fleuriste de son quartier pour offrir à sa mère. La criminelle fit procéder à des relevés génétiques sur ses enfants, mais aucun point de correspondance ne fut trouvé. En 2018, la police métropolitaine, en charge du dossier, relança un appel à témoins pour tenter de retrouver le jeune couple qui avait fait des emplettes juste avant la fermeture du magasin, mais aussi la femme mystérieuse qui avait fumé une cigarette dans le bureau de la direction. Une forte récompense de 8 millions de yens, environ 24 000 €, fut promise et des affiches placardées dans tout le pays, mais en vain, une fois de plus. En juillet 2020, un gangster affilié à une famille yakuza et incarcéré pour trafic de drogue sortit de l'ombre grâce à une perquisition à son domicile et pourrait bien être le seul et dernier espoir de connaître l'identité du tueur de Hachioji. En effet, à son domicile de Tokyo, la police a saisi un revolver du même type que celui de la tuerie qui, après examen balistique, s'avéra être celui utilisé par le meurtrier des employés du Nanpei. L'homme, condamné à maintes reprises pour des agressions, des trafics et des passages à tabac, nia en bloc le fait d'avoir ne serait-ce que participé à ce crime odieux, et dans les faits, il est vrai que le bougre était en prison à ce moment-là. Il n'empêche que l'arme est bien celle du crime, mais l'homme affirme l'avoir achetée en 2009 à quelqu'un dont il refuse depuis plus de 2 ans de donner l'identité. Au vu de la grande complexité du dossier et des fausses pistes exploitées par la police, le passage à table du gangster semble être l'ultime moyen de boucler un jour cette terrible affaire, si tant est que l'arme ne soit pas passée par de multiples mains criminelles avant d'atterrir dans les siennes. À ce jour, et s'il vit encore, le meurtrier de Maeda Hiromi, Yabuki Megumi et Inagaki Noriko court toujours et fait de la tuerie du supermarché Nanpei de Hachioji le plus vieux cold case encore en cours dans l'histoire criminelle japonaise. Pour ma part, et après avoir épluché presque toute la littérature sur le sujet et digéré ces informations des mois durant, la théorie du braquage me semble totalement improbable et tout concourra même à l'invalider. Noriko et son passé tumultueux qu'il a sans doute rattrapé m'apparaît comme la source de ce qui ne peut être qu'une exécution sommaire avec tentative grossière de dissimulation en vol à main armée. Un amant éconduit à qui elle aurait peut-être volé de l'argent et dont elle aurait éterni la réputation, un homme en colère, blessé dans sa fierté, un contrat avec un porte-flingue de la région ou d'ailleurs, un tueur à gages professionnel qui pense sa proie seule et doit faire disparaître les deux témoins, puis un homme qui sait disparaître et faire tourner la police en bourrique. Ajoutez à cela la puissance de la rumeur et de la suspicion au sein d'une petite communauté et les errements d'une police qui n'arrive pas à s'entendre sur une direction à prendre, et voilà. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Donnez-moi votre avis sur cette terrible et mystérieuse affaire en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes toujours une majorité à regarder mes vidéos sans lettres si j'en crois mes statistiques. Si vous le souhaitez et le pouvez, vous pouvez aider la chaîne en laissant un Super Thanks, le petit cœur sous la vidéo, en rejoignant l'unité Satsujin, toujours sous la vidéo, en cliquant sur le bouton Rejoindre, en me laissant un petit pourboire sur Tipeee ou Utip ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr, où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne et d'autres petites choses que vous apprécierez sûrement. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, j'y suis assez souvent et vous y donne des nouvelles des vidéos à venir. Voilà, je vous quitte, d'autres affaires plus terribles encore attendent d'être exhumées. Matane!